Ah, je vois que t'es en larmes là. T'y croyais un peu avant la course ou quoi? On y croit toujours, mais c'est compliqué. Il y avait le favori, mais bon, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre en positif. Oui, très, très positif. Puis Léopold, qui était amateur, je montais avec lui l'année dernière et là il gagne groupe 1, c'est un truc de malade. Il a très très bien monté, parce qu'il a toujours gardé des dos. Il a jamais fait le fort. Et je pense que c'est comme ça qu'il est venu sur les autres, au moral, et après la DER, voilà quoi. Bravo, ça doit faire plaisir de voir son petit chouchou comme ça, le travail du matin qui paye. Ouais, et surtout que c'est mon anniversaire aussi aujourd'hui. Oh putain, la journée de fou, bravo. Merci. Léopold, je t'ai entendu dire, c'est un truc de ouf. C'est peu de le dire, j'ai l'impression. Ouais, c'est complètement irréel quoi, c'était un truc quand même pas, j'en rêvais. Déjà super. Et maintenant que ça se passe comme ça, on va. C'est un truc de ouf. Mais ouais, t'étais gentleman, hier. Comment t'as abordé la course? Avec sérénité, parce que voilà, c'est un cheval qui est facile, un cheval que même un jeune avec peu d'expérience peut monter sans a priori quoi. C'est vraiment un cheval facile. Voilà, le cheval était au top. Donc franchement, serein quoi, juste. Que tout se passe bien et on savait qu'il allait faire sa course. C'est vrai, mais en plus c'était pas facile parce qu'il y avait la fuyarde devant Jadis Senna, mais faut doser, enfin t'as monté avec un sang-froid incroyable. Ouais, mais bon, la route était longue, elle avait fait quelques fautes, on l'avait vu avec Johnny déjà derrière. Bravo. Merci. Donc maintenant, il fallait juste fignoler, je savais qu'elle allait venir à moi. Au passage du poteau, t'y as cru ou pas? Allez, bisous. Allez, bisous. Est-ce que tu as cru, est-ce que tu as réalisé quand tu t'es mis droit debout sur l'étrier au passage du poteau? Est-ce que tu t'es dit c'est un rêve ou quoi? Ah ouais, ouais, bah là c'est un truc de ouf quoi, y'a qu'à savourer que c'est un truc de baiser. Bravo! Ton fils ému, est-ce que t'as été ému toi aussi? Bah, c'est pour le petit, je peux le commander. Je suis en larmes depuis une demi-heure. C'est complètement, il y a la maman, est-ce qu'elle a mieux vécu la course? Comment on a vécu la course qui était longue, qui était indécise et surtout une grosse pression? Comme d'habitude, très inquiète pendant tout le parcours et dans le dernier des états, au niveau de la dernière, oui. Alors, c'est pas vrai du tout, parce que hier soir, on avait prévu le coup, on est allé à un concert d'Axel Bauer, on s'était bien chauffé la voix. Et je non, peux te dire que la dernière volée au poteau, je suis persuadé que le cheval, il nous entendait crier. Le trophée est bel et bien là, le gagnant de groupe 1 à Auteuil. T'avais gagné à Compiègne, là raconte-nous cette ligne droite là de malade. Déjà je vois Runtos tomber, en face tout le monde fait le travail pour nous, on nous ramène. Crisco qui tombe sur le gros, il y avait Jazzy Sinam qui me faisait peur, Winter is Coming avait fait des moins bonnes valeurs ces derniers temps, donc et je voyais qu'il faisait un petit peu le travail pour nous, donc tout s'est passé comme dans un rêve quoi, c'est top. Ouais, puis c'est un cheval qui a une histoire assez, assez unique parce que c'est un cheval qui est parti dans les quintés. T'as toujours su que c'était un cheval de groupe 1 ou il t'a épaté course après course? Ben là, en fait, si tu veux, on a des bons chevaux, mais il y a ceux qui évoluent et ceux qui évoluent pas. Lui, il a fait que d'évoluer et puis tellement pro le cheval, tellement sérieux. Voilà, je parlais de la qualité de l'élevage avec Pascal. Nous, on n'a jamais eu de problème de santé. C'est les chevaux qui ont été bien élevés, tout est solide. Ils ont des bons os. Donc voilà, moi, je parle toujours d'un maillon d'une chaîne. Pascal a commencé, il y a eu le pré-entraînement. Et voilà, Théo le monte tous les matins et puis il y a tous les copains, on est associés, voilà. Tous les copains, voilà, et ce soir, ça va fêter ça parce que c'est une histoire de partage. Toi, tu le répètes inlassablement, c'est les courses, c'est des émotions partagées. Et là, de voir comme ça, c'est de la consécration de toute ta philosophie, j'imagine. Bah ouais, là, ça fout le bordel à Auteuil, hein. Fout le bordel à Auteuil. Un petit mot sur Léopold en plus. Léopold qui était amateur, je montais avec lui, je lui disais ça. Et là, tu l'as laissé dans un groupe 1, c'est une belle marque de confiance. Bah ouais, bah non, mais voilà, en début d'année, j'ai été le chercher pour qu'il devienne à l'avenir peut-être mon premier jockey et on commence bien ensemble, voilà, on apprend ensemble à travailler ensemble et c'est top. Ouais. Pascal Nou, éleveur heureux, raconte-nous là cette course de malade là.
Moi, j'avais dit avant la course, il y a une chance, les courses d'obstacles, de toute façon, il faut les courir. Et puis dans ce terrain-là, souvent, la forme prime sur la classe. On a eu de la chance aussi qu'il y ait eu de tomber. Mais en face, ça allait tellement bien après le saut du gros que j'ai dit à ma fille, regarde bien ce qui va se passer parce qu'il va gagner. C'est dingue parce qu'en plus, ce cheval-là, il est parti des handicaps, il a monté crescendo. C'était que des paris à chaque fois, mais il transforme tout. Oui, bah, il a un entourage qui l'a protégé un petit peu. Quand les feux sont mis un peu orange, ils l'ont mis à l'arrêt et puis ils l'ont fait grandir comme ça. Et puis bah, aujourd'hui, c'est quand même... Et puis Cap Guard, ton chouchou là qui te sort encore un gagnant de groupe 1. C'est ça, oui. Ça continue, Cap Guard. C'est magique, bravo Pascal. Je lui dois tout à Cap Guard. Bravo.